à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un plateau qui, je pense, doit peut-être vous dire quelque chose. Et c'est tout à fait normal, évidemment, c'est le but de la vidéo. J'ai réalisé une adaptation de mon jeu Vocaligne que vous avez peut-être déjà acheté ou entendu parler. Et ici, c'est une adaptation au niveau de l'orthographe. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon jeu Vocaligne, il s'agit en fait de répondre correctement à des cartes pour pouvoir poser un pion sur le plateau et le vainqueur est celui qui arrive à aligner 4 pions. Donc c'est un principe de puissance 4, donc ici il y a un double enjeu, il faut et regarder à pouvoir placer les 4 pions sur le plateau et donc raisonnement, réflexion, anticipation, etc. sont de mise. Et il faut également répondre correctement à la carte et donc à la question posée. Donc, au niveau des cartes, j'ai réalisé 4 paquets de mots réguliers et 4 paquets de mots irréguliers. Les 3 autres paquets vont être utilisés pour chaque partie, peu importe que l'on veut jouer avec des mots réguliers ou irréguliers. On a des cartes où il faut épeler le mot à l'envers, des mots avec les lettres mélangées, des mots avec les lettres mélangées mais dont les extrémités sont fixes, et des mots où il manque les voyelles. Donc là, ce sont les 4 cartes où vous pouvez choisir soit mots réguliers, soit irréguliers. Et puis maintenant, je vais vous montrer donc les 3 autres paquets qui, eux, vont être utilisés peu importe la partie. Ici, il faut trouver un mot qui contient, donc par exemple, là. Trouver un mot qui termine, ici par exemple, par U. Et trouver un mot qui commence, par exemple, par je. Pour jouer, donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je veux, par exemple, poser mon pion ici, sur la pastille rose, je pioche une carte rose qui correspond. Si je réussis correctement, je pose mon pion et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier ait aligné 4 pions. Et j'ai également donc réalisé des lettres amovibles pour les enfants qui auraient plus de mal. Évidemment, pour celles et ceux qui auraient déjà acheté Vocaligne, vous pouvez simplement réutiliser les cartes avec le plateau et les jetons préexistants. Oui, je vais vous donner les PDF de toutes les cartes, mais sachez que c'était un gros travail, donc du coup je vous propose un petit challenge. Je vous les donnerai aux 2000 vues. Je pense que c'est possible à atteindre et que c'est pas grand chose par rapport au travail. Voilà, je vous lance le défi, donc aux 2000 vues, vous avez toutes les cartes et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.